Je vais ouvrir l'armoire fermée du petit catalogue de Louis Médard, ce qu'on peut appeler aujourd'hui un enfer de bibliothèque, avec des ouvrages censurés de sa bibliothèque, qui sont classés dans toute cette armoire, qui est aussi la plus ancienne des différentes bibliothèques du cabinet de Louis Médard. On a l'aspect religieux qui est prépondérant, mais on a aussi les histoires d'amour, les romans du libertinage, différentes idéologies et les ouvrages écrits contre les autorités, contre les rois par exemple, les princes, les autorités de l'époque. En léguant mes livres à ma ville natale, je lui confie des amis qui ne m'ont jamais trompé et qui m'ont toujours donné des jouissances. Protégez-le, messieurs le curé, plusieurs sont dignes de votre estime. Et aucun n'est dangereux pour l'homme mûr et probe. Mon culte varie un peu du vôtre, messieurs le curé. Mais une même morale nous rallie. Et cette fille chérie de la divinité produit l'honnête homme et lui conseille d'être utile à son semblable. Donc c'est vraiment une déclaration d'intention avec cette volonté de prendre des précautions par rapport à cette donation qui arrivait dans une ville catholique. Donc il ne voulait pas que ces ouvrages soient une matière de problème par rapport à leur interprétation, à leur transmission. Une centaine d'ouvrages, une bonne partie de livres qui avaient été écrits par les protestants, les savants, les théologiens protestants, contre les catholiques, contre le pape, contre les jésuites, plusieurs ordres religieux, dans le but aussi d'instaurer une sorte de guerre idéologique et confessionnelle. L'épouse romaine, donc c'est l'église de Rome, qui est considérée comme une épouse adultère de la divinité. Je voulais vous proposer une petite découverte d'autres ouvrages qui touchent la religion et la condamnation de la religion catholique par les protestants, avec un prolongement sur cette polémique autour de la messe de l'Eucharistie, avec un très joli livre, très joliment relié, avec du cuir, de la dorure, des motifs, et une très belle édition des Elsevier, ces éditions hollandaises du XVIIe siècle, un tout petit format avec des jolis caractères qui avaient été créés par ces éditeurs et qui permettaient d'éditer d'ouvrages importants, un tout petit format, et qui ont eu une grande fortune, introduits par les notes manuscrites rédigées par Médard, mais écrites à la main par ses secrétaires, avec une très jolie calligraphie, et la page de titre qui donne déjà le ton à l'ouvrage, l'anatomie de la messe, où est montrée par l'Écriture sainte et par les témoignages de l'ancienne Église, que la messe est contraire à la parole de Dieu et éloignée du chemin de salut. Donc ça, c'est un ouvrage beaucoup plus sérieux par rapport aux ouvrages satiriques. Chez les protestants, on n'a pas la présence de la divinité dans l'Eucharistie. C'est juste un acte symbolique de la présence divine dans l'hostie, dans le pain. Vous avez bien été extravagant de croire que mon corps et mon sang étaient enclos sous les accidents du pain et du vin, dont c'est Jésus qui parle. Finalement, vous avez été bien impie d'adorer un morceau de pain, de croire que vous pouviez me sacrifier, me loger dans vos estomacs impurs. Voilà, ça donne un peu le ton de cette liberté aussi dans l'écriture. Je pourrais également vous montrer un ouvrage toujours très bien relié, d'une manière très élégante, avec du cuir et des décors dorés, du papier marbré dans les pages de garde, l'étiquette du relieur Thompson, et une page de titre avec une gravure aussi qui fait office de frontispice, Le cochon mitré, un dialogue édité à Paris chez Le Cochon. Bien sûr que ce n'est pas un éditeur véritable, mais ça fait partie du jeu. Ce personnage, le cochon mitré, c'est la représentation d'un évêque qui est parmi les personnalités qui sont critiquées fortement dans cet ouvrage sous forme de dialogue entre l'abbé Furetière et Scarron. Tous ces ouvrages étaient condamnés à être détruits, donc on a parfois du mal à les retrouver. Donc c'est qui en fait leur rareté.
un autre ouvrage du petit catalogue de Louis Médard, précédé aussi par une jolie préface manuscrite rédigée par la plume par les secrétaires de Louis Médard. C'est un ouvrage précédé par un portrait de l'auteur dont le titre est « Essai sur l'histoire naturelle de quelques espèces de moines » décrit à la manière de Linné par Pierre-Auguste Broussonnet qui était naturaliste et qui était élève de Buffon. Et donc il était vraiment un spécialiste du domaine, mais déjà jeune, il prend cette liberté d'un ouvrage satirique. Et donc on considère que les moines sont des animaux. Ils crient la nuit, ils boivent beaucoup, et donc il y a toute une typologie de moines avec les différentes particularités selon les ordres. Donc on décrit figure par figure les différences de capuchon, de femmes et hommes. Cet ouvrage, on peut penser qu'il pouvait être vite condamné comme les autres, l'auteur emprisonné, mais en fait, on était dans une époque, à la fin du XVIIIe, dans laquelle on pouvait déjà avoir une certaine liberté de critique. Dans les recoins de la bibliothèque fermée de Louis Médard et de son petit catalogue, on retrouve aussi un autre ouvrage qui nous interpelle tout de suite déjà par la reliure très, très belle et très soignée au niveau du décor, mais surtout par son contenu. Les héros de la Ligue, ou la procession monacale conduite par Louis XIV pour la conversion des protestants de son royaume. Il s'agit en effet d'un défilé de personnalités à partir du roi de France. Mon soleil par sa force éclaira l'hérétique. Il chassa tout d'un coup les brouillards de Calvin, non pas par un zèle divin, mais afin de cacher ma fine politique. Et Louis XIV est suivi par toutes ces personnalités plutôt du monde des jésuites, des ordres religieux, des évêques, archevêques. Et toutes ces caricatures, c'est des très belles gravures à la manière noire, avec une technique de la taille douce qui rend parfaitement les tonalités, la description du visage, avec des ombres, des lumières qui sont très, très fortes. C'est un ouvrage qui a eu aussi un certain succès, il a été rediffusé, donc ça faisait partie de cette guerre en images de religion. L'idée la plus forte chez lui, c'était la volonté de transmettre un bien personnel qui pouvait devenir un bien commun, avec vraiment cet humanisme, cette volonté de partage du savoir. Louis Médard vit vraiment à une époque charnière. Il naît dans une période dans laquelle on avait encore l'interdiction du culte protestant, mais en même temps, c'était l'époque qui préparait déjà la tolérance, la nouvelle liberté de culte avec la Révolution et la Déclaration des droits de l'homme.